Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the van. Legacies. Raindrop truck. Drop top. Top smoking, no cook in the hot pot. Yeah, fucking on your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up, open the park pot. Yo les potes, c'est François, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tous les skins qu'il y a eu dans cette mise à jour de malade. Donc c'est parti, on va commencer par le skin Singularity, le seul skin légendaire. Après il y en a peut-être dans les fichiers cachés du jeu. Donc franchement, ce skin plutôt pas mal. Ensuite il y a le skin Airhead, il est déjà dans les fichiers du jeu mais il n'est toujours pas sorti. Un skin un peu ballon. On va continuer avec des sacs à dos. Donc on a un sac à dos Anemone qui ira avec un skin un peu plus tard. Et le skin Bow Basket qui va avec ce skin là. Bow Bros, qui n'est toujours pas sorti non plus mais qui était déjà dans les fichiers du jeu. On a ensuite la pioche conche cleaver, donc une petite pioche coquillage, etc. Donc faut savoir que là il y a beaucoup de skins dans le thème été, vacances. Donc là on a le sac de Gemini qui n'est toujours pas sorti. Excusez-moi. On a la pioche qui est très très belle mais qui coûte malheureusement un peu cher, 1200 V-Bucks. C'est la pioche de Nomade mais en double. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, elle est magnifique. On continue avec le skin Flair, très très joli, qui est avec son petit sac Lumicore Green, normalement. Voilà, très joli cela. On a ensuite le sac Lumicore Red pour sa femme, un peu entre guillemets, qu'on verra après. Ensuite, un sac ou un planeur Manowa, qui est un planeur Méduse, magnifique. Ensuite, le sac Neo Frenzy. Celui-là, il devait sortir dans le pack PS Plus avec le skin bleu, mais il n'est pas sorti. Et le skin bleu est sorti des fichiers du jeu, il reste que le sac à dos, donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Ensuite, le skin Nightbeam, donc c'est celle qui aura le sac Lumicore Red, donc celui-là, voilà. Ensuite, le Uzi, je pense que c'est un sac à dos, sinon il ne l'aurait pas mis là. Soit un sac à dos, soit une arme, on verra. Ensuite, la pioche de Gemini. Ensuite, ici, on a Starfish, qui ira avec le sac à dos Anemone, normalement. Très joli. Et ici, grosse nouveauté, le skin Nomade, en mode vacances, qui ira avec la pioche. Et normalement, ça sera pas un truc en plus gratuit pour tous ceux qui ont le Nomade. Normalement, ça sera dans la boutique. On continue avec ce skin qui devait sortir avec le Honor. Donc le Honor qui n'est pas en vente, normalement, il me semble encore. Ensuite, Beach Bomber, donc le skin Bomber en mode plage. Très joli avec la petite casquette. Ensuite, la traînée Beach Ball, donc avec des petits ballons de plage qui tombent. Ensuite, la tenue Bigfoot, très belle. Pour info, les prix, vous le voyez avec la couleur derrière, bleu, violet, etc. La 1200 pour les bleus. Ensuite, Biz, une petite tenue moderne, classique. Ensuite, l'emote Bouncer. Je vous mettrai peut-être un extrait à la fin de la vidéo de toutes les danses. Donc, on voit que la personne fait... du ballon là. Ensuite ce skin Breakpoint qui était déjà mais qui dans les fichiers du jeu mais qui n'est pas sorti. Ensuite Brightboard, peut-être qu'ils vont rajouter ça dans les skates gratuits, je ne sais pas, mais je pense pas, je pense que ça ira avec l'autre tenue. Ensuite Camp Cruiser, donc ça c'est un planeur, c'est une tente en fait, on peut voir ici le petit symbole comme il y a dans les trucs de neige, même ici. Donc, franchement très sympa. Ensuite Carapace, je pense soit une pioche, soit peut-être un sac à dos en mode épée. Très joli. Ensuite, le petit sac Chuck Pack. C'est un petit sac de vacances avec les trucs de ninja. Vous verrez avec quel skin ça ira. Ensuite, ça, soit un planeur, soit un sac. Couleur. Donc avec la petite main de Poiscaille qui sort. Très joli. Le petit revêtement corps. Voilà, rien de particulier celui-là. Le planeur Crop Duster qui ira peut-être avec le pack épouvantail. Ah non, il y a déjà un planeur. Donc je ne sais pas. Avec les fermiers peut-être. Donc voilà, un petit tracteur. Plutôt pas mal. Ensuite, la tenue d'air qui ira avec un sac qui est au-dessus. Franchement, celle-là n'a rien de particulier, mais elle est jolie. Ensuite, la danse Deep End qu'on verra à la fin. Peut-être. Ensuite, Double Cross. Très jolie. Petite tenue encore de plage. Voilà, rien de particulier sur celle-là. Ensuite, Drift Stream.
Ça, c'est le planeur nomade. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Très, très joli. Ensuite, revêtement essence. Donc voilà. Personnellement, ça me fait pas penser à de l'essence, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, fixation, qui ira avec la pioche, qui allait avec le sac à dos un peu ninja vacances. Ensuite, floral shell, qui ira avec le skin là, normalement, celui-ci. Pas mal, rien de spécial, un petit coquillage avec des fleurs. Ensuite, flutter, un petit skin un peu elfe papillon. Très joli. Ensuite, il ira avec son planeur. Son planeur, son sac à dos. Aile de papillon, voilà. Franchement, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, la tenue ninja vacances, comme je vous ai dit, donc focus, qui ira avec sa pioche là et le sac à dos qu'il y a au-dessus. Franchement, j'aime bien. Je sais pas si ça sera un style ou un pour le skin ninja, je ne pense pas. Ce sera dans la boutique. Ensuite, glow jet, qui ira peut-être avec ce skin là, Haste. Franchement, il est joli. Ça doit être le skin Joker en mode vacances. Ensuite, X-Form. Très joli, c'est un petit plat, c'est un petit revêtement. Ensuite, le sac Exed qui est déjà sorti aujourd'hui, mais il est toujours dans les fichiers du jeu. Le petit planeur Ion, voilà, rien de spécial. Le revêtement Kitsune qui ira avec l'ensemble Nomade, on peut voir des petits loups ici, très sympa. La pioche Longhorn, j'ai envie de vous dire, cette pioche, ça fait pratiquement, je vais vous dire, 5-6 mois, même beaucoup plus qu'elle est dans les fichiers du jeu, elle n'est toujours pas sortie. Ensuite, une double pioche barbecue, voilà. Un planeur Megabat, voilà. Tout ça, je crois que c'est les noms anglais, je crois. Peut-être les noms français, mais normalement, c'est les noms anglais. Donc, petit planeur, sympathique. Alors, la pioche Maître Machette, qui était déjà dans les fichiers du jeu. Le sac oculaire qui est sorti de la boutique aujourd'hui, qui est toujours dans les fichiers du jeu, je sais pas pourquoi. Le petit skin Pilar, c'est un petit insecte, sympa, sympa. Ensuite, Shard Shickle, une petite pioche, comme on avait vu avec le nain, il me semble, avec un petit papillon juste là, sympathique. Le skin Shotcaller qui était déjà dans les fichiers du jeu. Signal Jammer qui ira avec le skin Breakpoint, voilà. Smoothie qui sera sûrement le sac à dos du skin Jonesy en mode vacances, mais qui est dans les fichiers cachés. La pioche Splintered Light qui est sympa, sympa. Franchement, sympa. Et le sac à dos Streamline, qui est une sorte de casque. Casque comme Dokalof. Alors, la double pioche Talon, qui ira sûrement avec les pioches de Ninja qui sont déjà sorties. Le skin Tiny Totem. C'est un petit totem de lama, on peut voir. Petite tête de lama. Sympa. Le sac à dos Utilipack. Et là, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, mais c'est long. Pourtant, je suis rapide. Bah, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Ça me fait très très plaisir. Donc là, vous pouvez économiser les V-Bucks pour ce qui vous plaît. Utility pack, un petit sac normal, basique. Le skin Vector, qui est très joli, franchement. Il est très sympa avec les yeux verts, la petite coupe. Skin moderne. Le sac à dos Water Balloon. Je pense fortement que celui-là sera gratuit. Il faut savoir que dans tous les skins que j'ai montrés, et les planeurs, les trucs, je pense qu'il y aura des choses gratuites. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des choses que. Il y a tellement de choses, en fait. Et je pense qu'il va y avoir des défis. Des défis vacances. Par exemple, avec ce sac à dos qui sera sûrement gratuit. Ensuite, Busy, petit revêtement plage, sœur, j'ai envie de dire. Blue Camo, petit camouflage militaire bleu. Le sac Brave Bag, donc ça, c'est un sac vert, donc soit il est gratuit, soit ça ira avec un skin vert. Mais on n'a jamais vu ça encore. Le camouflage Bright Star, qui ira avec le skin Bright Bomber fille, plage. Le sac Color Guard, encore un sac gratuit ou avec un skin, mais c'est bizarre. On n'a jamais vu deux sacs qui vont avec deux skins. Ensuite, l'emote verte Deep Dab. Un dab sur le côté. Je vous montrerai peut-être à la fin. Feather White. Avec. Il porte un attelaire, clairement. Camouflage Floor Print. Donc, ça, c'est un camouflage très très vacances. Hawaï, tout ça. La pioche Flight Catcher. Franchement, celle-là, j'aime bien, honnêtement. Jaune comme ça, on dirait une petite faux, très sympa. Ensuite, le skin cage, non gage, ça c'est soit une fille, soit un garçon, je ne sais pas trop. Très sympa, rien à dire. Le petit camouflage Green Toy, jouet, donc voilà, qui était déjà dans les fichiers du jeu, avec le Grey Toy. Ensuite, le planeur Helio, celui-là aussi, ça fait énormément de temps qu'il est dans les fichiers du jeu, on ne sait toujours pas à quoi il sert. La danse Jumping Jack. Donc clairement une danse où il va taper des mains en bas, en haut, en bas, en haut, en bougeant. Le King Flamingo, celui-là il m'a fait énormément rire.
un flamand rose, il est moche, il est tellement moche. Avec sa pioche, Lungbreaker, qui sera verte, 500 bébés. Le petit skin, Matchpoint, qui fait beaucoup penser à la Renegade, donc peut-être un retour de la Renegade. Non, Recon Expert, désolé. Je sais pas, peut-être. Le camouflage, Néotropique, donc comme l'autre, mais en néo. Néon. Le petit planeur qui ira avec l'ensemble de plages de Bright Bomber Magin. Payload. Franchement, j'aime bien. Mais je peux l'acheter, je pense. Plastique Patroller qui était déjà dans les fichiers du jeu avec deux styles en vert en gris. Quack Pack qui ira sûrement avec le skin Flamingo. Donc, premier sac à dos avec un skin, donc c'est super sympa. Ou peut-être gratuit, on ne sait pas encore. Ensuite, Rush. Rush. Ce planeur aussi, ça fait énormément de temps qu'il est dans les fichiers du jeu, on ne sait toujours pas à quoi il sert. Ensuite, Savant ZW qui était déjà dans les fichiers du jeu, voilà. Scanline, donc ça c'est clairement un truc un peu en mode hacker, internet, tout ça, sympa, un peu multicolore. La petite pioche Soupedai Up qui ira avec le skin Bao machin qui était déjà dans les fichiers du jeu. Toy Trooper, celle-là j'ai tellement envie de l'acheter, je sais pas, je verrai. Parce que en fait, ce skin je voulais l'acheter et vu tous les nouveaux skins qui viennent de sortir, en fait, je ne pense pas. Toy Trooper, voilà, sympa. Dividax, voilà, rien à dire, celle-là. Ouais. Et pour finir, enfin, Wild Tangente. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer aux danses. Et s'il n'y a pas de danse, tant pis, désolé. Mais voilà, je vous remonte vite fait tout, tout, tout. Vous ferez des pauses. Hop, hop là. Et donc on passe aux danses tout de suite. C'est parti. Alors, là, je viens de trouver les défis sur une vidéo. Voilà. Donc, ce sera un défi. 14 jours summer. Donc, on pourra retrouver le sac banane, une petite danse, un écran de chargement, le sac balloon, comme je vous avais dit, l'emote banane, un spray, un truc pour les armes, une autre bannière, un truc qu'on ne sait pas ce que c'est, un tag, une traînée, une pioche, un sac, une musique et un petit truc de bannière. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Hop. Ce skin. Donc ce skin, ça sera sûrement un skin gratuit. Ou un skin de défi. Ou un starter pack. On ne sait pas encore ce que c'est. Ensuite, il y a les défis pour Breakpoint. Voilà. Vous connaissez. Voilà, des petits défis sympas. Ensuite, nous avons cette arme qui devrait bientôt sortir, Drum Shotgun. Donc ça sera un fusil à pompe comme. Enfin, un fusil à pompe très bizarre. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce que ça va être. Ensuite, on a le pack sombre. Donc voilà, avec un camouflage. Les trois skins là. Et leur sac. Très sympa, franchement. Ensuite, le revolver. Voilà. C'est une nouvelle arme. Ensuite, ça, ce sera une petite grenade. Hop. On aura ensuite singularité avec plusieurs styles. Donc ça, c'est le skin secret. Voilà, ceux qui ne voulaient pas se faire spoil, bah voilà, tant pis. Et on va continuer avec un petit truc sympa. Ce skin-là aura une variante comme ceci. Et voilà, c'est fini pour la vidéo. Je vais vous montrer peut-être les danses maintenant. Alors, on va commencer tout de suite avec les... Voilà, celle-là, très simple. On va continuer avec la deuxième. Hop, juste ici. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et on va passer aux danses Fortnite.
Et c'est parti. Alors, avant de montrer les danses, désolé, avant de les montrer les danses, voilà l'emplacement de la puce. C'est à Megamall, la puce 59. Vous devez utiliser l'emoji pizza. Voilà. Voilà. Alors, c'est parti pour les danses. Voilà la danse Bouncer. Voilà, on continue avec la danse Deep End. Et mettez pas le code créateur en haut, c'est pas le mien. Moi, je n'en ai pas encore. Très sympa celle-là. Je crois qu'elle sera gratuite avec les défis. Le petit dab. Alter. Très marrant, très marrant. Et Jumping Jack. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. C'était une vidéo très grosse, très longue. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care.